tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la recette des croupions des dindes fumées au four. Donc, premièrement, je vais aller découper mes croupions de dinde et ensuite, je vais les assaisonner et après, nous allons le mettre au four. Donc, je vous dis encore bienvenue si vous êtes nouvelle sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre vos commentaires, vos likes et pourquoi pas partager la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Bande konanga na pesi bino mbote, lelo to osala. Dendo na biso, eza dendo fumé, to osala yango na four. Donc, wana na kende ko kata yango. Peso na sisi ko kata yango nde na ko assaisonner yango pe simande to kutia yango na four. Donc sokoza mutasika na chaîne oyo na pesi yo bienvenue pe ko hésiter te o s'abonner o tcha like na yo o tcha commentaire na yo et ko sala nga malamu mingi. Donc na tiki bino na ba image pe to kutani sima. Là, je finis de couper mes croupions de dinde. Maintenant, je vais passer à l'assaisonnement. Et comme assaisonnement, je vais juste mettre mon bouillon simple et je vais rajouter de l'oignon en poudre et ensuite, je vais rajouter du piment. Et puis voilà, je vais mettre juste un peu d'huile et je vais bien mélanger et laisser ça pendant au moins 20 minutes. Et ensuite, je vais mettre ça au four. Donc, suivez les images. Voilà, non, qui n'est pas assaisonné, biloko nanga. Na kotia pilipili ya poussière. Na kotia ail nanga et na kotia. Bitungulu nanga mais on a otia eza ya poussière na kotia cube nanga na kotia mafuta ya huile mukie kaka po dendo ezalaka déjà mafuta to otangisaka litanga mukie ya mafuta pe na kosangisa nyonso wana na assaisonnement nanga simple na kosangisa yango nsima na okende kotia yango nde na four mais avant natia yango na four na otika yango pendant au moins 20 minutes nsima to otia yango na four. Donc voilà. Donc comme nous on aime manger trop épicé, donc j'ai rajouté encore
le piment, parce que le piment que j'avais mis premièrement, vraiment, c'est pas vraiment un piment fort. Donc j'ai dû rajouter une autre sorte de piment. Si vous n'êtes pas trop fan de piment, n'en mettez pas. Si vous n'en mangez pas, n'en mettez pas. Mais nous, comme on en mange, donc voilà pourquoi j'ai rajouté encore cet autre genre de piment qui est trop fort. Donc voilà. Là, je vais aller mettre ça dans mon plateau de four et ensuite je vais laisser ça jusqu'à ce que ça va bien cuire. Wana na bakisa ki susu pilipili o amakasi po pilipili ona chaki liboso eza pilipili mo amakasi te. Neti biso to linga vraiment bilo ona biso eza na pilipili. Ne na bakisa ki pilipili o amakasi wana. Me so olia a pilipili te, kotia na pilipili te eza probleme te. Donc na tiki bino na ba image wana to tiango na plateau na biso. Sima to tiango na fo pe to tika mo ti e kobela vraiment bien. Et là, je vais aller rajouter mes oignons. Donc, j'avais laissé ça comme ça. Et quand je vis que ça commence vraiment à bien cuire, j'ai rajouté mes oignons et je mélange cela bien. Ensuite, je vais remettre ça au four pendant au moins 15 minutes. Ça va pas traîner beaucoup. Et ensuite, c'est fini. Donc, voilà. Wana na kenda ki na moni ki dendo na ngebeli na balkisa ki matungulu pe. Na tika kakango lisusu na four po na mwango nga mke. Donc voilà, ma dinde est prêt. Donc n'hésitez surtout pas à les refaire chez vous. Et je vous revois à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et bye!